Le sport a ce pouvoir de promouvoir et de transmettre des valeurs universelles, ô combien importantes à ces temps si troublés. C'est vraiment une démarche à laquelle le Comité national olympique et sportif français est sensible. L'intérêt de la pratique du sport en entreprise, c'est d'abord la qualité de vie au travail, que ce soit la qualité de vie des salariés, mais également des dirigeants qui s'impliquent dans ce genre de nouvelles stratégies d'innovation managériale. On retrouve une vie normale et on est très heureux en plus avec le soleil. Situation de handicap, puisse avoir à proximité de son bassin de vie un club en capacité de l'accueillir dans une forme de pratique adaptée. On va retrouver cette ambition de créer d'abord et avant tout dans nos équipes un état d'esprit. Donc la feuille de route Néoterra, elle s'applique à l'ensemble des directions de notre région et notamment la direction des sports. On a parlé d'inclusion dans le sport, mais c'est vrai dans l'entreprise. Pour ça, je suis très attaché au fait qu'il puisse y avoir une force qui soit donnée. À faire des liens et bravo d'avoir pensé à associer l'agence. Et je donne l'appréciation de la trace que laissait cet événement sportif mondial dans le pays, une fois les Jeux passés.